L'équipe et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Espoir Bagbem 16e avec moi, votre enseignante Tatawa qui m'a l'aide du Bukum Rajid et bien sûr des leçons, Inch'Allah, les généralement, on va dire, le bac, les langues fil ou les maths, les GE. Donc, sahab le bac, jamais chouhab. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, alors bien bdaou la leçon de la voix passive et la voix active, les généralement, les had de points ou les généralement, les élèves, ils ont fait un alèche, ils ont que je peux pas conjuguer trois le la voix active et passive à la conjugaison, que je peux pas faire ça et tout. Donc lui, machallah, si on bistouha qadma nqadro, d'accord l'équipe, si on bistouha, on simplifiouha bach le message yelhaq, bach le ma'loumat lhaq bien, d'accord l'équipe. Donc nitkelou nous dans l'arabe. Alors la voix passive et la voix active, c'est quoi? Vous avez, regardez ici, vous avez ici active et là vous avez passive, d'accord, vous avez passive. Où je mets active? Active, une voix. Où je mets une voix? Ça veut dire un énoncé, une phrase, jumla. D'accord? Jumla. Puis à fait, me fait le. Ça veut dire il y a le groupe nominal, il y a le verbe, et il y a le COD. D'accord? Passif, c'est la même chose. Regardez bien. Tanik. Fiha, un groupe nominal, un sujet. Fiha, un verbe. Fiha, un COD. Me fait le bé. Ça veut dire que la voix passive, il y a un bark, nzidou la part. D'accord, on s'est là pas. Mais je vais vous faire un schéma. On simplifie bien. Je vais faire un schéma. D'accord, un schéma sera qui on va faire une chaîne. Regardez, vous avez hi, la phrase Tana. D'accord, il y a ici un groupe, un sujet. Il y a ici un verbe, le fait. Il y a ici le COD, complément d'objet direct. Me fait le B. D'accord. Là aussi, regardez bien, je vais encore dessiner de la flèche, je vais faire un bien l'équipe. Aussi, vous avez ici le sujet, le verbe et le COD. Hadi, c'est mon active. Ça, c'est l'équipe, passive. D'accord, passive. Comment je vais faire les transformations? Alors, hadi, l'équipe, regardez bien, brûlez l'équipe, d'accord. Le COD, il devient sujet. D'accord? Le sujet, il devient COD. Le verbe, il y a pas de kimara. D'accord? Mais je fais les transformations. Et là, avant le COD, j'ajoute par. En anglais, and combine. En anglais, and combine. En anglais, and combine. Ça, c'est en anglais. Mais en français, tu as déjà par. D'accord? Alors, le COD, ou les sujets. Sujet ou les COD, le verbe yahbat, mais il se conjugue autrement. Ça veut dire il tsarraf tariqa wahed okhra. Mashi kima kan f la voix active, mashi kima kan f la jumla active. D'accord l'équipe? Alors kifach yitbeddel tmak le problème? Tmak mashi pas un problème, c'est juste lazemkom wahed un petit tremain, ça veut dire une petite réflexion. D'accord? Taqdar COD tahabtou sujet sahel, sujet tahabtou COD très bien, le verbe tahabtou bsa kitbeddlou. Hnaya il y a une conjugaison. Une conjugaison que لازم هذاك لي لاب يابليكيها ويتبعها. D'accord, هاد لا كونجوغيزون لازم تكون على حسب هاد لو فيرب تاعنا بيان سور. D'accord l'équipe, je vous donne un exemple aussi, regardez bien. Par exemple, on dit que le médecin, regardez bien, alors le médecin examine le malade. D'accord, examine le malade, mal virus, mal virus et les maladies, les infirmes, mal, voilà. Donc le bichef égale Martin. C'est juste une parenthèse. Alors le médecin examine le malade. Regardez le médecin, c'est un sujet. Examine, c'est le verbe, le fait. Le malade, le médecin examine qui? Le malade, donc c'est un COD. Nahadi, c'est une phrase active. Donc nardjouha passive, d'accord? Nijbet, COD yahbot, le sujet yahbot. Hada, il devient comme ça. Où je te le malade ou l'ihna? Tu peux me dire l'équipe, hein? Le malade. Le médecin ou l'ihna? Haïl khidma, haïl la méthode de travail. D'accord? Examine yahbat. D'accord, l'équipe? Tu peux me dire ça terminale, s'il vous plaît, surtout je mets les langues. Zidou par, qui m'a qu'on a qu'on a COD. D'accord? Vous savez que je te voulais que je roule le médecin examine le malade, ok? Qui me bête la voix passive? Le malade examine par le médecin. Had le verbe, je dois rajouter quelque chose. Qui va chez l'équipe? Had examine ou un participe passé, on zit le est. Passé composé, parce que had c'est le présent.
Donc, le présent yahbat et où il est passé composé. D'accord? Tous les le médecin est examiné par le malade, pardon, le malade est examiné par le médecin. D'accord? Donc, gardez bien cet exemple, l'équipe. Donc, je vais vous donner un tableau de la conjugaison. Regardez bien. Vous avez, regardez bien l'équipe. Vous avez ici la voix, le verbe. Il est comme un tableau, un petit tableau comme ça. Le verbe, avec les deux ornales. La voix active. D'accord? Le verbe, la voix passive. D'accord? La voix passive. Alors. Idalrit ou le verbe la voix active au présent de l'indicatif. Le verbe la voix passive ou les passés composés. Idalrit ou le verbe t'as comme un imparfait. Un imparfait, d'accord? Un imparfait. Le verbe à la voix passive, il devient au plus que parfait. Le plus que parfait, d'accord? Le PKP. Et d'après tout le verbe t'accompagne la voix active au futur, le verbe de la voix passive, il devient le futur antérieur. Le futur antérieur. Et d'après tout le verbe t'accompagne le passé simple, pas simple, le verbe à la voix passive, il devient au passé antérieur. D'accord? Au passé antérieur. صح لي لا واش يقول لك مادام وي على بالي باللي لو بريزون ولي باسي كومبوزي لامبارفي ديفيان لو بلوس كو بارفي لو فيتور ولي فيتور انتيريور لو باسي سامبل ولي باسي انتيريور مي كومون لو كونجوغي كومون جو ترانسفورم اي جو في لي شانجمون او نيفو دو فيرب او نيفو في الفعل الوغ ليكيب ريغاردي سي كوا لو باسي كومبوزي سي كوا لو باسي كومبوزي سي اتر جاي يمشو باتر او افوار شوفو سي اتر ولا افوار هنايا تانيك سي اتر او بيان افوار لا ميم شوز اتر او بيان افوار هنا اتر او بيان افوار بصح وشنو ليكي هنايا اتر او افوار بيسك راكو في لو باسي كومبوزي اتر او افوار في لو بريزون بريزون بلوس لو بارتيسيپ باسي دو فيرب هنا بيسك راكو ليكي ريغاردي بيان Puisqu'on a la couple l'imparfait plus que parfait, être ou avoir est contre l'imparfait, logiquement. Plus le participe passé du verbe. D'accord? Et là, il y a le futur antérieur, puisqu'on a la couple le futur, être ou avoir le futur simple, plus le participe passé du verbe. Et là, l'équipe le passé simple, vous êtes pour le passé antérieur, alors être ou avoir le passé simple, plus le participe passé du verbe. هذه هي لاستوس داكور يسمى يمشيو كاع هادو لي فيرب على فوا باسيف يمشيو سوا بلو فيرب اتر سوا بلو فيرب افوار داكور اذا لقيتو في لو بلوس كو بارفي سافي دير ان امبارفي اذا لقيتو في لو فيتور انتيريور سافي دير او فيتور سي فوز افي اوتروف لو باسي انتيريور سافي دير او باسي سامبل بلوس لو بارتيسيپ باسي دو فيرب 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 D'accord? Alors, je vous ai ramené un petit tableau d'équipe pour bien justement comprendre la conjugaison. D'accord? Alors, regardez. On a un tableau. Bien sûr, les changements à retenir. Le présent, qui m'a appris, le passé antérieur. L'imparfait, où il est le plus que parfait. Futur, où il est futur antérieur. Passé simple, où il est le passé antérieur. Hana bach ndiru nkhdmu khdma chaba l'équipe. Conjugaison. Regardez bien, conjugaison. La voix passive et la voix active. Comment conjuguer mon verbe? Un rappel. C'est quoi le passé composé? Kima kotil comme regardez bien. C'est être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe. C'est quoi le plus que parfait? C'est être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. C'est quoi le futur antérieur? C'est être ou avoir au futur plus le participe passé du verbe. C'est quoi le passé antérieur? C'est être ou avoir au passé simple plus le participe passé du verbe. Regarde. Ici, je vous ai proposé aussi des tableaux pour bien comprendre. Exemple d'un verbe, pardon, attendez. Alors, exemple d'un verbe, le verbe parler. Premier groupe, faire. La participation, il y a D'accord? Alors, c'est quoi? Bon, how le passé composé? Regarde, c'est bon, qui peut mon tableau. How le passé composé? On a dit comme le passé composé, on a dit comme être et avoir. D'accord?
le passé, un futur antérieur, être ou avoir le futur. D'accord? Mais dans le passé composé, alors je suis, tu es, il est là le verbe être, il est là le verbe avoir. Le passé composé, c'est être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe, tu es, tu as parlé. Aho. D'accord? Aho, le verbe avoir au présent, tu as. Zidna le participe passé du verbe, il me donne le passé composé. Zidou, le futur. Entre être ou avoir fait le futur, ou entre le futur antérieur. Ah, être ou avoir le futur, je serai, tu seras, j'aurai, tu auras, et ça, on a au futur simple. Ça, un option pour faire la transformation du futur au futur antérieur, la zemni être ou avoir fait le futur. Ah, hein? Plus le participe passé du verbe, auront, nous, aurons. Hawsalanu, elle est là. Elle est là, elle est là le pronom personnel, auront parlé. D'accord? L'imparfait. Donc, c'est être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Regardez l'équipe, voici l'exemple. Alors, être, j'étais, tu étais. Avoir, j'avais, tu avais à l'imparfait. Ah, le participe passé du verbe. Le PKP, le plus que parfait. Il avait parlé. Ah, il avait parlé. D'accord? Le être ou avoir plus le participe passé du verbe. Maintenant, le passé simple, je vais juste le passé antérieur, là, je vais dire être ou avoir passé simple. C'est quoi? Je fus, tu fus, il ou elle fut, nous fus, je fus, avoir, Et le passé antérieur, c'est être ou avoir fait le passé simple. Là, je vais dire plus le participe passé du verbe. Hi, elle eut parlé. Hi, eut. Elle eut parler. Blamen Sauliki, quand par exemple, quand votre verbe il est conjugué avec l'auxiliaire être, et d'après tout le verbe tel comme conjugué, soit il est conjugué avec être, soit avoir. D'accord? S'il est conjugué avec l'auxiliaire être, ça veut dire il s'accorde en genre et en nom. Ou je m'en ai en nombre. Ça veut dire d'après tout féminin, zidou le E. D'après tout pluriel, zidou S. Avoir, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'accord. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, le lettre, on a le médecin. Regardez bien, on a fait comme ça. On a écrit le médecin, pardon, le malade est examiné par le médecin. D'accord? Par le médecin. Zit-il par, left et tout. Donc, voici mon verbe. D'accord? Voici mon verbe l'équipe, elle est là, et examinée. Anahna, là, on conjugué avec l'auxiliaire être. D'accord? Il est conjugué avec l'auxiliaire être. Mais puisqu'on a le, c'est masculin singulier, donc d'être le est. Ça aide quand le compare, par exemple, il avec s. Où est-ce que tu les ils sont examiné. Dit le participe passé ou on dit le s le pluriel ou alors parce que il est conjugué avec l'auxiliaire être. D'accord? Il est conjugué avec l'auxiliaire être. Le cas par exemple d'être elle avec s. Elle est examinée par le médecin. Elle est examinée par le médecin. Alors voici l'auxiliaire être. Voici le participe passé. Mais puisque l'année. Puisque j'ai conjugué le verbe avec l'auxiliaire être, هذه الال تاع الفيمينا واش نزيد le e de féminin. D'accord? كي نقول لكم elle avec s, automatiquement هذه تولي son ونزيد s تاع le pluriel. D'accord? Et je rajoute le s du pluriel. Voici grosso modo l'équipe la voix passive et la voix active. واش عليكم عليكم برك تحفظوا être ou avoir في l'imparfait, في le futur, في le passé simple, باش تقدروا تكونجيو كاع لي فيرب تاعكم, le passé composé, le plus que parfait ou le futur antérieur ou le passé antérieur. D'accord l'équipe? À très